Une vidéo de test de ce TXNR 808 après réparation conforme au devis. D'une part, pour la panne constatée, c'est une destruction des sélecteurs de source qui a engendré une panne de cette petite alimentation que voici. Et d'autre part, le remplacement préventif avec l'accord du client de la carte HDMI, puisqu'il s'agit d'une carte d'ancienne génération, la puce n'est pas labellisée New. Voici donc les trois cartes qui ont été remplacées. Je vous montre maintenant le numéro de série de cet appareil, les connectiques établies. J'ai un générateur sur l'entrée TV-CD, un oscilloscope raccordé sur la sortie zone 2 analogique. Je vous montre le signal de cette zone 2. Et j'ai préparé la masse d'une enceinte. Je vais maintenant simplement déplacer une sonde plus qui va sur la même enceinte, bien entendu, de canal en canal, pour vous montrer que le signal audio est présent maintenant sur les 7 canaux qui sont attribués par défaut. Je termine le balayage des 7 canaux. Donc là, j'ai encore une voix active. Les deux suivantes ne sont pas assignées par défaut. Et voici la surround back. Je reviens maintenant sur ma voix centrale. Je vous montre les images de test qui viennent du lecteur qui me fournit mes fichiers de test à la fois audio et vidéo. Le son est contrôlable. Les sources sont sélectionnables. Je vais aller sélectionner la source TV-CD, source sur laquelle j'ai mon générateur basse fréquence, le même qui me diffuse mon signal sur la zone 2. Là, je suis sur une entrée sur laquelle il n'y a pas d'image, j'ai par conséquent un écran bleu. Je reviens sur Blu-ray DVD. Comme vous pouvez le constater, l'image est présente. L'affichage OSD fonctionne. Lorsque j'agis par exemple sur le volume, j'ai l'affichage de la barre de volume. Et le son est présent sur tous les canaux assignés par défaut. Donc ici la voix centrale, sur une gauche, sur une back gauche, principale gauche, principale droit, sur une back droit. Là j'ai deux voix qui ne sont pas activées par défaut, puis le surround droit. Il me reste à tester l'entrée optique. Alors je cherche la fibre optique qui vient de mon lecteur, ça doit être celle-ci. Oui, il me semble que c'est ça que je vais insérer dans l'entrée 1. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir pris la bonne fibre optique, mais enfin, on va balayer les sources afin de le vérifier. Toujours pas. Game. J'aurais pu aller dans le menu afin de vérifier à quelle entrée était assignée cette fibre optique 1 par défaut. Bon, a priori, je me suis trompé de fibre optique, donc je vais essayer l'autre. J'ai malheureusement, comme vous pouvez le constater, deux fibres optiques qui sortent de mon établi qui sont parfaitement identiques. Ah ben voilà, par défaut, elles devraient être attribuées à Game. C'est sérigraphié dessus, donc je vais directement sur l'entrée Game. Et cette fois, j'ai bel et bien mon signal PCM qui est détecté. Je vais vérifier que j'ai du son en reprenant ma sonde et en la mettant sur la voie centrale. Donc c'est le cas. Je me suis simplement trompé de fibre optique tout à l'heure. Donc là, je n'ai pas d'image sur Game, j'ai uniquement l'affichage OSD et le son en fibre optique. Si je débranche la fibre optique, vous pouvez constater que c'est bien cet appareil qui diffuse du son. Je rebascule maintenant en DVD Blu-ray. Là, je vais récupérer l'image. Voilà. Avec le son, bien sûr.
De la même manière, si j'enlève ma source, je perds à la fois le son et l'image. Je vais essayer une autre entrée. Hop, je prends VCR DVR, donc l'entrée numéro 2. J'attends la synchro de l'appareil, du Blu-ray et du téléviseur, bien sûr. Et voilà, tout fonctionne correctement. Je vais donc restituer cet ampli en état de marche. Au vu de la panne constatée, je conseillerais au client d'être très vigilant sur les sources analogiques. C'est probablement l'une d'elles qui a endommagé cet appareil. Donc vérifiez à la fois les sources, si elles sont utilisées, les appareils raccordés en zone 2 et 3. Vérifiez également les appareils connectés en HDMI. Donc là, je n'avais pas constaté de panne flagrante. Mais la carte étant d'ancienne génération, il était fortement conseillé de la remplacer par une carte de nouvelle génération, comme vous pouvez le voir ici à travers le capot. Elle est labellisée New. Donc cet appareil quitte nos ateliers en état de fonctionnement. Je demande au client d'être très vigilant sur l'ensemble de son installation et en particulier de contrôler ses sources analogiques.